Salut tout le monde, c'est Brisson, on se retrouve enfin. Et oui, je dis tout, ça fait plusieurs fois que je dis dans ce let's play, mais on se retrouve pour la suite de notre let's play et reprise du let's play de Pokémon Pearl Randomizer. Et du coup, j'ai décidé de le reprendre en format let's live où je fais mes épisodes, mais en live, du coup, comme j'avais fait à l'époque de The Simpsons Hotel Run et récemment aussi Pokémon Bouclier, sauf que les DLC je les fais en live. Classique. Et du coup là on va reprendre et on fera des épisodes régulièrement, des lives régulièrement en épisode. Enfin, vous avez compris, on fera des épisodes régulièrement en live, etc. Donc voilà, donc la dernière fois, ça remonte il y a 2 mois, nous avons fait tout l'histoire de Celestia. Nous sommes arrivés à Inopolis et on avait fait aussi un stream déjà il y a un mois déjà. Et on avait changé notre équipe. Du coup nous avons Corinne, qui est type seul psy, donc il n'y a pas de numéro de Pokédex tout simplement. Du coup, il a représailles, Saumur, Bomber et Chargeos. Nous avons Dialga, qui est de type acier et dragon, qui est Explore Force, Griffe Acier, Spatio Rift, qui est l'attaque de Paika. Et nous avons Dracogriffe et Brasigali, qui a Casse Brique, Pied Voltige, Roue de Feu et Force. Et nous avons Montmartier, Griffe, Ombre, Laser Glace, Avalanche et Ombre Portée. Il me semble que Ombre Portée, ça serait bien une attaque prioritaire. Et nous avons Dodrio qui a Vol, Coup de Corne, Étreinte et Aéropiqué. Et on finit par Ludicolo qui a Surf, Nœud d'Herbe, Giga Sangsu et Plécroix. Bon, c'est le meilleur Ludicolo que quand on avait fait Pokémon Expert et moi Aqua Challenge. Hop. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer à cette arène de type qui est de base de type spectre, mais du coup elle est pas de type spectre. Et salut, comment vas-tu futur maître? Le champion d'arène du coin utilise des Pokémon spectre, ouais, mais c'est pas forcément le cas. Et du coup c'est une arène assez stylée, je trouve, et un peu galère tout simplement parce que faut... Donc là on a des questions, 3 plus 5 égale 7, bah non. Ah non, 3 plus 5 plus 7 égale 8, bah 15. Donc 2, 16, 15. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Oh bah c'est cette porte là alors. Mais on va les faire dans l'ordre. Hop. On va accélérer à tout ça. Les combats. Parce que nous on est comme ça. Ah, et tout Raptor. Du coup on va faire une petite attaque Bomberk. Hop. Ok, bon Aria et okay, Force Cosmique. Aïe. Bon ça on peut... Voilà. Nickel. Et pas ce niveau. On apprend quoi? Tourbisop, c'est pas terrible. Voilà. Nickel. Désolé si vous allez entendre la barre espace, tout simplement parce que ma manette elle veut pas prendre en compte la touche pour accélérer. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Bah pour moi c'est la porte tout à droite, c'est pas la porte du milieu, donc c'était bien la porte tout à droite. Mais bon, vu que nous on veut faire tous les dresseurs, comme à chaque arène. Oh, rien féroce. Saumur. Voilà. Franchement tu t'aurais... Je me pose la question, est-ce qu'il est vachement physique ou spécial? Est-ce que la force physique ou force spéciale? Ouais, il a plus de spécial que de physique. Ok. Donc c'était bien ça. Correct, félicitations. Ok. Ok. Question. 13, 12 plus 28 égale... Bah... 40. Réponse. 30, 40 ou 50? Pas 40.
C'est pas marqué. Ah, attends. Je viens de capter. Je viens de capter, ça fait... Bon bah c'est celle du milieu du coup. Et on va faire celle-là. Ouais, je viens de capter en fait. La réponse, il dit tout droit. C'est... La flèche du haut indique tout droit, puis les autres flèches sur les côtés. Je viens de comprendre... des années après. Oh là là. Quel boulet. Je suis un putain de boulet. Allez, sommeil. Aïe. Ça va, c'est pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des types vols? Ah. Un petit plante. Aïe. Non, ça fait pas encore. T'es gars. Méga fouille. Il a loupé. Tant mieux. J'ai envie de vous dire. Tant mieux, tant mieux. Allez, charge As. Mais c'est nul. Ouais, l'attaque il sert tellement à rien parce que je prends pas de dégâts. Ça aurait été plus rapide si j'aurais pris... Voilà, enfin. T'aurais pu faire ça bien avant. Quand même, Kaori. Potion. Voilà. Et du coup, le niveau 32, on va changer. On va mettre Dialga. Avec, bien sûr, le multi-expérience. C'est vrai qu'on en avait plusieurs. C'est vrai. Et du coup, c'est, pour moi, c'était bien celle du milieu. Voilà. Et c'est reparti pour un nouveau combat. Wow, dragon feu. Space Rift. Voilà. Merde, du fait Explo Force, on sait pas. Bon, j'ai loupé deux fois comme Explo Force, ça fait chier. Nickel, hop. Voilà, nickel. Hop. Donc c'était bien au milieu. Félicitations. Hop. Normalement c'est la dernière salle, si je dis pas de bêtises. Ce serait bien la dernière. 3 fois 13 égale. À 39. C'est bien, de toute façon c'est 39. Hein, c'est, pour moi c'est bien 39. Qu'est-ce qu'il me fait comme attaque? Tritosaur, ok. Oh. Oh là là, ça fait tellement de dégâts. C'est pour ça que je voulais pas l'apprendre. Ah bon. Coin. Allez, bats-toi, petit élève. Ah, Makuta. Oh, j'ai eu du mal à le prononcer là d'un coup. Il est avec un Pokémon. Ok. D'accord. Félicitations. C'est pas encore la dernière salle ? La salle 1, c'était 15. C'était 15, mais bon, vu que j'ai envie de faire tous les dresseurs, comme je vous l'ai dit.
Donc voilà. Gobou. Suicune. Salut. Est-ce que c'était la première fois qu'on les rencontre? Je pense. Quoi? Est-il? T'es résistant lui. Tout. Ok. Voilà. Nickel. Hop. Potion. Hop. Et du coup, on va faire changement d'équipe. On va mettre Brasigali en premier. On va lui donner le multi-expérience. Et on va reprendre celui de Dialga. Comme ça, on est tranquille. Moi, c'est les top dresseurs, bien sûr. C'est les top dresseurs. Bonne buto. Oh. Dessus. Allez. Oh. Allez, force. Nickel. Le 31. Ursari. Puis Voltige, si je le passe. Yes. Mais quel Brasigali, les gens. C'est incroyable. Je vais quand même donner une petite potion quand même. En cas où. Mais vraiment en cas où. Ah, j'ai qu'une de mes peaux. Vu que j'ai pas envie de me retaper, je vais donner quand même en cas où si j'ai besoin de Dialga. De toute façon, faut bien que j'utilise à un moment ou un autre. Oh, enfin te voilà, darling. Depuis mon arrivée dans ce country, dans ce pays, j'essaye de progresser chaque jour. Et oui, et maintenant, tu vas t'affronter face au meilleur dresseur de la région. Et oui, parce que je vais devenir maître de Sinnoh. Et hop. Nidorino. Ah oui, que type poison du coup. Ok. Roue de feu. Au moins ça devrait le faire tranquille. Midlife. Ah. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer comme Pokémon? Corinne. Ok. Il était ramené de force. Et bah il va faire Chargeos. Ça fait quand même quelques dégâts. Nidorino est du meilleur combat. Makuta. Bon, au final, on va le garder. Dommage que j'ai pas d'attaque psy. Ouais, ça fait pas gros dégâts. Je change, je vais mettre Dodrio. Bah, absolument pas, j'envoie ma côté. Allez, repiquer. Oh, oh non, il fait détection. Salut, Shilei. Je pense que ça va être comme ça, quoi. Quoi ça se prononce? Quoi toi? Bienvenue. N'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau. Oh, le one shot. Enfin, bon, il n'y a pas one shot parce qu'il a déjà eu des dégâts. Oh, Ok. J'ai bien fait de l'envoyer. Niveau combien? 34. Déjà beau depuis des mois, t'inquiète pas. Ah, ok. Ah, c'est la première fois que je te vois en fait. Parce que je te vois jamais pour dire en commentaire. Et sur mes streams.
Ou alors c'est parce que les jeux t'intéressent pas. Possible. Ou alors t'as pas le temps. Possible aussi. Oh. Pourquoi? Oh, il a peur de la défense. C'est bon pour nous. Bon, on n'est pas en Nuzlocke, ça va. De toute façon, là, on va faire... Bien sûr. Mais normalement, ça devrait passer. Tu m'es pas dit... En fait, je t'explique. En fait, là, je fais un live tournage. Et du coup, lors des rediffusions en épisode, il y aura les sprites des Pokémon, en fait. Donc, voilà. Et vu que c'est un let's play que j'ai commencé en vidéo et que j'ai envie de le continuer en live, mais où que je tourne des épisodes en fait. Lance-flamme. J'en vais pied voltige en fait. Je vais avoir une attaque feu. Donc voilà. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est à l'épisode 15. Oh, niveau 34 pour Dodrio. Entrave. Non, j'ai pas gaspillé une attaque pour ça. Ça ne sert à rien. Yeah. Je suis stupéfait. Et du coup, on obtient le badge fantôme de Chimera. Franchement, son... Il y a un truc qui s'appelle. Ma connueur nous a donné un peu plus de fil à retordre. Pour l'instant, on galère pas trop. Après, ça dépend. Bah déjà, il y avait un top dresseur qui avait deux légendaires, qui avait Mewtwo et Suicune. Est-ce que j'ai déjà appris surf à quelqu'un? Ouais, Ludicolo l'avait déjà appris. Vu que je m'en souvenais plus, je préférerais être sûr que ça serait le cas. La joie des randoms, ouais. Mais je trouve ça cool le random. Ça fait une perte aléatoire, des fois tu peux en chier comme pas possible. Et des fois tu peux rouler carrément sur les dresseurs et sur les champions. Mais pour l'instant, j'ai pas souvenir d'avoir galéré sur des champions en fait. Même en général. Bon, j'ai juste galéré, c'est pour entraîner mon équipe parce qu'elle galère un petit peu à XP. Mais franchement, ouais, ça va. Bon, au moins, durant ce let's play, je suis à peu près au niveau de des arènes. Ah. Je me rappelais plus qu'elle nous interceptait juste après l'arène. Quel plaisir de te revoir. C'est pas facile de te retrouver. Ma mamie m'a parlé des événements de Celestia. Merci pour ton intervention dans les ruines. Je me rappelle de mon random sur Platine, un étourmé qui évolue en Celebi et... D'accord. Ouais, moi en fait mes évolutions sont pas randomisées en fait. Voilà, on va traquer les malfaisants de la Team Galaxy. Et si c'est le cas, tu devrais visiter la bibliothèque de Juibia. Bon, je pense qu'on y fera faire un tour quand même. Donc voilà. Du coup, on va aller voir le professeur Sorbier. On va aller le revoir, Littorella, pour voir ce qu'il a à nous dire, entre guillemets. Que là, pour l'instant, on a un peu fini l'épisode, quoi. Franchement, j'adore la musique du centre Pokémon de nuit. Elle est plus reposante et tout, et... Tu rentres dedans, t'es apaisé quoi. Je trouve. Hop. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ah, Brice, tu viens me montrer la progression que tu as fait avec ton Pokédex. Bah ouais, tiens. Tu as vu 104 Pokémon de Sinnoh.
Tu as une canne à pêche. On peut pas attraper les Pokémon qui vivent dans l'eau quand... Quand les pêchons. Ok, d'accord. Le truc, il servait à rien. Ma foi. Et bah du coup, ça va être là-dessus qu'on va se quitter pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et vous abonner à la chaîne pour pas louper la suite de l'aventure. Et rejoignez mon Discord pour être notifié. Allez, à la prochaine. Bye.